Le 6 octobre 2011 était fêté le bicentenaire de la naissance de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Une messe a été célébrée à la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil et présidée par Mgr Lionel Gendron, évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. En partant de la vie d'Eulalie du Rocher, nous évoquerons les origines des sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, ainsi que leur mission dans le monde. En 1827, sa sœur aînée, Séraphine, entre chez les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Vous devinez que la séparation des deux sœurs a été quand même un peu pénible. Si bien que, quelques jours après, Eulalie dit à son père, « Moi aussi, j'aimerais bien aller au couvent chez les sœurs de la congrégation avec Séraphine. » Son père lui dit, « Oui, bien, tu n'auras qu'à te préparer, puis je vais te conduire. » Alors, elle a fait des démarches, mais finalement, elle n'a pas été acceptée à cause de son état de santé. Alors, Eulalie, à la maison, prie, se questionne sur son avenir et puis continue de rendre service à la maison et dans le voisinage. Mais Marie-Rose du Rocher était très attentive aux besoins de son temps. Et elle a répondu avec beaucoup de créativité et d'initiative à ses besoins. On dit même, une personne qui étudiait son écriture dit qu'elle avait des grandes qualités d'entrepreneur. Elle croit que s'il y avait des petits couvents dans les paroisses où il y aurait eu deux ou trois religieuses, ça aurait été comme des centres de rayonnement bien précieux. Bien informée de la situation, Eulalie désire se joindre à une communauté que Mgr Bourgette ferait venir de Marseille. Il avait parlé de ça, que des Aublats avaient fondé une communauté de religieuses depuis quelques années à Marseille, et puis qu'elles étaient dans les campagnes comme ça et qu'elles aidaient les milieux défavorisés et donnaient évidemment de l'enseignement au moins au niveau primaire. Mais les religieuses refusent de venir. Essayez d'imaginer que des petites sœurs de France vont partir faire une traversée qui était longue, et puis se retrouver dans un pays qui est loin et qui est froid en hiver, parce qu'on avait parlé de toutes ces choses-là. Alors, elles finissent, croyant que c'était la décision la plus sage, dire « nous ne pouvons pas y aller, mais que les jeunes femmes, parce que déjà Mgr Bourget en comptait trois, Mélodie et Eulalie, et puis il y avait une institutrice qui était à Longueuil, Henriette Thierry, qui voulait rentrer dans une communauté religieuse, mais qui n'avait pas pu rester, persévérer. Il dit que ces trois jeunes femmes-là fondent la communauté, qu'elles prennent le nom de notre communauté, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Nous sommes prêtes à leur passer nos constitutions. Alors là, sont venues toutes sortes d'oppositions, et puis ça a été une assez grande souffrance pour Eulalie. Mais elle y croyait tellement, et elle avait eu la confirmation par un autre de ses frères, Eusèbe, qui était prêtre et à qui elle était allée en parler au confessionnal. Puis il lui avait dit, tu vas souffrir si tu t'en vas à Longueuil, mais tu feras là beaucoup plus de bien que si tu étais entrée dans une autre communauté. Le 8 décembre 1844, les trois fondatrices, Sœur Marie-Rose, Sœur Marie-Agnès et Sœur Marie-Madeleine, font profession religieuse dans l'église de Longueuil. Toute la paroisse en est témoin. Bien émerveillée, on n'a jamais vu comment on formait des religieuses, comment on devenait religieuse, hein, imaginez ça. Mère Marie-Rose s'inspire également des autres communautés existantes, parce qu'il y avait déjà des sœurs de la congrégation, il y avait des dames du Sacré-Cœur, des communautés enseignantes, j'entends, là. Elle cherche même à déborder les programmes en vigueur dans les pensionnats et les écoles. Son expérience personnelle, ses contacts lui ont fait voir tout ce dont les femmes ont besoin pour exercer leur rôle dans la famille et dans la société. L'ouverture des programmes scolaires à l'époque nous émerveille. On ne faisait pas qu'enseigner à lire, à écrire et à compter, mais très vite, on enseignait des sciences naturelles, la musique d'abord, pour commencer. Hein. La musique, c'était important. Mère Marie-Rose est décédée à 38 ans, le 6 octobre, 1849. La communauté comptait déjà, lors du décès de Mère Marie-Rose, quatre maisons, puisqu'on avait ouvert non seulement un couvent et une école, non seulement à Belœil, mais aussi à Saint-Simothée et à Saint-Lin.
Aujourd'hui, la congrégation, évidemment, a rayonné un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Bon, on est au Pérou, au Brésil. Jusqu'à ce jour, on dit qu'environ 5 000 femmes sont entrées dans la congrégation. Nous avons présentement 1040 religieuses. Nous avons une communauté assez large aux États-Unis, 550 à peu près, un peu plus jeune que celle du Québec. Au Québec, nous avons 340 religieuses. La moyenne d'âge, c'est 83 ans. Aux États-Unis, c'est 76 ans, un peu plus jeune. Mais nous avons aussi trois jeunes membres qui sont en formation initiale, des femmes dans la trentaine, dans la quarantaine. Alors, il y a encore beaucoup d'énergie dans les projets aux États-Unis. Et ici, au Québec, comme vous savez, la question de foi, de sens, est une grande question, la quête de sens. Alors, nous avons des sœurs qui travaillent avec le pèlerin, chez le pèlerin, par exemple, pour accompagner des gens au chemin de vie ici à Longueuil, pour offrir des sessions, de l'accompagnement, pour aider les personnes à découvrir un sens à leur vie. Aux États-Unis, disons que les grandes questions... Nous avons 5 écoles aux États-Unis qui sont en réseau, des écoles secondaires, et nous avons une université. Alors, nous sommes encore très présentes au niveau de l'éducation des jeunes. Mais nous avons aussi des beaux projets alternatifs. Une petite communauté au Brésil, nous en avons 6, nous avons 2 Brésiliennes seulement. Au Brésil, nous n'avons jamais été dans les écoles. Nous avons travaillé pour un temps avec les communautés de base. Quand les communautés de base étaient très populaires et très supportées par l'Église, nos sœurs sont allées vers les enfants de la rue. Alors, nous avons maintenant, dans le nord du Brésil, une sœur qui est responsable d'un centre pour jeunes filles de 12 ans à 18 ans. Elles ont des éducatrices avec elles. Elles les envoient à l'école, oui. Mais c'est un centre où elles habitent, et pour le moment toujours, elles habitent. Et puis, elles leur aident à grandir, les sauvent de la prostitution, bien souvent la prostitution ou le risque de la traite des enfants. Nous avons quelques sœurs, un petit groupe de 6 au Pérou, à Lima au Pérou, dont 3 sont péruviennes. 2 sont en formation encore, formation initiale. Au Pérou non plus, nous n'avons jamais été dans les écoles. Nous avions des sœurs de la Californie qui avaient fondé la mission du Pérou. Pour un bout de temps, ça a été fermé. Mais parce qu'une péruvienne a insisté, elle voulait devenir sœur Jésus-Marie et pas d'autre, nous avons ouvert de nouveau la mission au Pérou. Elle-même, cette jeune péruvienne, travaille au diocèse de Chosica et elle coordonne toutes les œuvres sociales. Et la plus grosse communauté, c'est au Lesotho, entourée par l'Afrique du Sud. Elles ont, disons, une quarantaine de sœurs en bas de 50 ans. Nous avons encore des écoles. Nos sœurs sont dans l'éducation. Et quand mais aussi, le pays est pas mal dévasté par le sida. Je pense que le tiers de la population sont affectés de quelque façon. Alors, nos sœurs ont aussi des projets pour aider les orphelins et aider dans 2 petits villages, un qui s'appelle Sakamaning, où elles ont acheté une maison. Elles ont acheté une maison, puis il y a des projets de couture parfois dans cette maison. Elles font un grand jardin parce qu'elles disent les gens qui prennent des médicaments pour le sida, il faut qu'ils aient une bonne nutrition. Elles vont visiter les familles. Nous avons une petite communauté au Manitoba. Nous sommes 44 au Manitoba. Je suis manitobaine moi-même. Alors, peut-être que pour nous, ce n'est pas un temps de grands projets, mais que ces valeurs nous tiennent à cœur. Et depuis 1986 surtout, nous avons identifié la justice au cœur de notre mission. Alors, nous avons 2 prises de position collectives sur lesquelles nous continuons de travailler. L'une, c'est sur la traite des personnes, surtout des femmes et des enfants. Et la deuxième, c'est sur l'eau. Et l'eau qui doit être accessible pour tous, parce que c'est un droit humain et un bien public. Encore une fois, c'est beaucoup plus centré sur les besoins du temps. Et je pense que c'est ça que Marie-Rose avait fait. Elle avait regardé son peuple, c'était ça les besoins.
le besoin d'éducation des jeunes filles et des enfants, et c'est ça qu'elle a fait. Alors, plutôt de rester dans les écoles, on est allé vers d'autres œuvres qui répondent plus aux besoins du temps, parce que les États ont pris l'éducation en général. Alors, même si dans certaines régions, je pense que la congrégation va s'éteindre, je pense que la vie religieuse a quand même un avenir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air, mais je vois peut-être des nouvelles pousses. Je les vois surtout comme au Pérou, au Brésil, aux États-Unis, avec nos plus jeunes, qui désirent des jeunes, mais on veut développer aussi ce qu'on appelle la culture de l'appel. Alors, ce n'est pas seulement des personnes qui se joindraient à notre congrégation, mais des personnes qui peuvent vivre leur appel dans l'Église pour la vie de l'Église et la vie du monde. Mais beaucoup de nos projets sont en transition parce qu'on vieillit. Mais ce qui est nouveau, je pense, c'est que nos personnes associées commencent des projets. Et plutôt de voir nos personnes associées comme des personnes qui nous aident la communauté, c'est nous qui allons aider nos personnes associées dans leurs projets. À Beauharnois, sur la rive sud de Montréal, cette maison accueille des enfants depuis 2007 grâce à l'engagement d'une associée, avec l'appui des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. J'ai proposé à la communauté des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie de partir une maison des enfants Marie-Rose. Et à l'unanimité, le conseil provincial a accepté, à ma plus grande joie. Et après qu'elles ont dit un oui enflammé, moi, j'ai senti la gravité de la création, c'est-à-dire maintenant, il faut travailler. Et ça s'est passé d'une façon telle que j'ai senti la présence de Mère Marie-Rose avec moi. Et ça a été relativement facile de convaincre les gens parce qu'il n'y avait rien à Beauharnois après l'école pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc, beaucoup d'errance des enfants après l'école, une absence de présence parentale. Alors, c'est un peu ce besoin que j'ai voulu combler en créant une maison des enfants fondée sur la pédagogie de Mère Marie-Rose, c'est-à-dire un grand intérêt pour les arts, pour la musique, la peinture et les langues. Moi, c'est Eliana. Moi, c'est Coralie. Moi, c'est Naomi. Moi, c'est Laurie. Allez! Moi, c'est Rebecca. Moi, c'est Bastien. Le sens de ma mission, c'est vraiment une présence éducative, une présence amoureuse auprès des enfants et une présence spirituelle. Tout enfant est accueilli parce que tout enfant appartient à Dieu. Pour moi, c'est un peu comme ça. Et nous, on permet d'avoir accès au meilleur de soi par les arts. Il n'y a pas de concours ici. Il n'y a pas qui a fait mieux, qui a fait pas mieux. Il y a celui qui a fait, celui qui a réalisé quelque chose, l'enfant qui est entré en création. Donc, la première chose qu'on cherche à faire, malgré les drames familiaux, c'est d'accompagner un compagnonnage amoureux pour qu'enfin l'enfant entre, malgré sa souffrance, dans la création, avec l'espoir qu'en goûtant cette liberté, ben, ils veulent continuer dans un chemin de création d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de raison que la souffrance paralyse un être. La souffrance est là, et elle n'est pas là pour qu'on se scandalise sur la souffrance des enfants, mais elle est là pour qu'on accompagne tout l'enfant avec sa souffrance. Tu n'es pas obligé de créer. Si tu es capable au théâtre de dire une phrase, c'est parfait. Si tu n'arrives pas à la dire, juste une présence physique, c'est déjà beaucoup. Donc, chaque petit pas, beaucoup de nos enfants sont en échec scolaire. Alors, l'estime d'eux-mêmes, c'est pas très grand. Mais quand ici, ils réussissent quelque chose, ils sont contents, et les parents aussi. Par les arts, l'enfant a accès à son âme. Alors, en ayant accès à l'âme, une fois que l'enfant a goûté cette joie-là, il la reconnaît. Il sait ce que c'est. Et il veut
avoir plus encore accès à son âme. Moi, j'ai commencé à étudier avec le Sœur Jésus-Marie à la fin de mon primaire. Je les ai connus. Et puis, si j'ai fait des études, je viens d'une famille plutôt pauvre. Et si j'ai fait des études, c'est à cause d'elles, parce qu'elles m'ont dit, « Toi, tu peux aller jusqu'au doctorat. » Et j'ai dit, « Jamais. Ça m'ennuie, les études. Je ne ferai pas ça. » Mais j'ai fait mon doctorat. Et c'est à cause d'elles, parce qu'elles ont vu en moi un potentiel, et c'est très fort. Donc, c'est pour rendre, redonner ce que les sœurs des Saints de Jésus et de Marie m'ont donné. Donc, quand même, des femmes exceptionnelles qui ont toujours eu un souci particulier pour l'éducation des femmes dans le monde entier. Elles savaient très bien qu'en touchant les femmes, eh bien, elles touchaient aux familles. Encore ce matin, quelqu'un me disait, « Oui, mais tu sais, penses-tu que ça fait une différence? » Pas seulement, « Penses-tu que ça va faire une différence dans leur futur? » J'ai dit, « Je pense même pas à leur futur. » Ça fait déjà une différence. Donc, quand ils viennent ici, quand ils ont fait, on fait des ateliers de cuisine santé, je le vois la différence, je le vois le bonheur. Ici, ils peuvent manger à satiété. Alors qu'il y en a pour qui, à la maison, c'est un verre de lait. On ne peut pas en avoir deux. On n'est pas au Pérou, là. On n'est pas en Afrique. On n'est pas à Haïti. On est au Québec. Alors, c'est une souffrance, la souffrance des enfants, parce que elle est pas nécessairement visible. Et dans les pratiques éducatives actuelles, elle se manifeste par la violence. Alors, on dit, « Ah, les enfants sont-tu violents? » Non, non, les enfants sont souffrants. Et ils crient comme ça. Les enfants, ils appellent les religieuses les Marie-Rose ici. Ceux qui commencent à s'intéresser, qui me parlent de Dieu spontanément, ou qui vont me poser des questions, une m'a dit la semaine passée, d'elle-même, à Dieu, est-ce qu'on peut tout lui dire? J'ai dit, oui, tu peux tout lui dire. Même que mon père, il me frappe. J'ai dit, oui, tu peux tout lui dire. Quand quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Parce que j'enseigne, j'ai fait de la recherche, j'ai publié des affaires. Et là, boum, je me retrouve... Mais je lui ai dit, tu sais, j'ai eu le sentiment que le bon Dieu m'a pris par le chignon comme ça. Puis, voilà. Et puis, quelque part, c'est pas moi qui a fait tout le travail toute seule, qui a dit, ben là, moi, je vais faire ça, je vais aller dans ma ville natale, etc. T'sais, donc, j'aurais pas pu mobiliser... Il y a au moins 1000 personnes là, de mobiliser autour de la maison des enfants maintenant, après 4 ans. Et puis, c'est lui qui travaille, hein, c'est pas nous. Elles m'ont parlé d'être associées. Alors, je trouvais que ça faisait un peu business, associé. J'ai lu là-dessus et puis j'ai prié et je me suis isolée aussi. Et puis, vous savez, moi, je suis mariée, mère de 4 enfants. Donc, je dois demander aussi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que mon mari, tu es d'accord avec mon chemin? Là, il m'a dit, vas-tu devenir une sœur? J'ai dit, non, non, je ne veux pas devenir une sœur. Et puis, mes enfants m'ont dit, mais maman, tu as tellement travaillé toute ta vie, si tu veux faire ça, ça fait tellement longtemps que tu rêves une maison des enfants. Ils m'ont rappelé mon rêve. Alors, donc, j'ai fait ce chemin et j'ai dit moi-même pourquoi je souhaitais être associée au charisme des sœurs Jésus-Marie. Alors, je crois que nous sommes 85 au Québec. La foi de Mère Marie-Rose dans le Christ a fait que toute sa vie était basée et fondée sur le Christ. Et alors, elle a été capable, comme fille de Dieu, d'aimer de l'amour même qui est dans le cœur du Christ. D'aimer le Père et d'aimer ses sœurs et ses frères. On présente souvent Mère Marie-Rose comme une sainte secourable, ça ne nous surprend pas. Hein? Quelqu'un qui aide, souvent on dit qu'elle protège du feu. Je pense que des gens ont,
on fait le lien entre le feu de la charité puis le feu naturel. Je pense qu'elle a fait, elle a beaucoup aidé des gens, autant au plan spirituel qu'au plan humain. Et sa spiritualité était enracinée dans cette parole de Jésus, « Je suis venu apporter le feu de l'amour, le feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il brûle. » Marie-Rose est encore très vivante avec nous. Alors, je pense que ses valeurs continuent de se vivre parmi les sœurs, les personnes associées. Alors, c'est un message de joie et d'invitation à continuer le ministère, la mission qu'elle a inaugurée ici, à Belleuil, à Saint-Antoine, à Longueuil, et de continuer de vivre de ses valeurs évangéliques. D'avant-garde, elle ouvrit la voie à des milliers de femmes qui se sont impliquées dans l'éducation et dans la pastorale. Elle a pris sa place dans l'Église. Elle y a travaillé sans relâche et a su s'affirmer en temps voulu et quand il le fallait. J'ai toujours trouvé que les sœurs, les femmes qui m'ont formée étaient formidables. Ça, je n'ai jamais changé d'avis. Ce sont des femmes qui m'ont instruite à plusieurs niveaux. Donc, quand je les vois, je les aime encore. Mon professeur de maths, je la vois, elle devait avoir 20 ans quand elle m'a enseigné. J'étais excellente en maths, j'adorais les maths. Alors, je la vois encore, je la fréquente, toujours le même sourire. Elle m'a initiée à la photographie. Alors, j'ai un lien affectif d'amour et de respect et un lien d'humour aussi parce que les religieuses que je connais ont un grand sens de l'humour. Et l'humour, vous savez, c'est la vertu la plus proche de l'amour. Elle avait une perspicacité exceptionnelle devant les situations. De l'humour et de l'amour, l'audace des saints, au fond. C'est une sainte bienheureuse qui n'a pas vieilli parce qu'elle portait bien plantée au cœur cette autre parole de Jésus, « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. » Donc, cette mémoire éducative, cette mémoire de femmes qui ont sacrifié, tu sais, qui vivaient avec une paire de souliers, deux jupes, et puis qui vivaient avec rien, qui se privaient pour que nous, on apprenne, bien, on leur doit quelque chose. Et ça, c'est un peu avoir du cœur au ventre, comme on dit, puis avoir la reconnaissance pour ceux qui t'ont formé. Alors, nous voyons que l'avenir pour notre congrégation sera beaucoup plus international. Et nos jeunes le réalisent et elles veulent développer cette mentalité de congrégation interculturelle et internationale. Parce qu'au début, nous autres, on n'était pas fondés comme une congrégation missionnaire. Mais nous sommes allés quand même au Lesotho en 1930. Mais nous avons des laïcs vraiment exceptionnels qui continuent les œuvres que nous avions commencées. La deuxième génération, ce sera peut-être plus difficile, mais ce sera assez laïque de transmettre les valeurs à la prochaine génération. Le charisme de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher continuera à se répandre dans le monde à travers les générations, en répondant avec simplicité aux défis de notre temps.